Salut à tous, c'est Jirac. Aujourd'hui, on se retrouve avec MacRinter et Serikai sur Europa Universalis 4. Salut! Salut! Allez, j'enlève la pause. Est-ce que j'ai des Oui. diplomates de dispo, moi, oui? Non. Tony, je suis en train d'annexer l'autre. Et donc, la partie, c'est... Pour l'instant, le petit résumé, hein, c'est... Serikai, ben, il gère ses révoltes, et Macrine gère ses révoltes, et les Girac, ben, on sait pas ce qu'il fait, lui. Moi, lui non plus, d'ailleurs, en fait. Non, Si, il c'est bon, s'amuse elle à dirigeait les taper révoltes. Il défonce Gazikoumo ou un truc comme ça. Ah Bah oui, c'est j'ai fait depuis ça. longtemps ça. T'as réussi? Comme quoi, tout arrive. Ah, j'ai gagné un casus belli contre le Maroc. Waouh, t'as manqué, j'ai trop fort. Comment je me chie dessus, ma race. Je vais aller défoncer à grand carreau. Et les Portugais, je vais les éradiquer de l'Afrique du Sud. Et je vais leur faire un coup d'œil. Tu me vois, tu me Oh! vois plus? Reconnaître les États-Unis comme une nation indépendante. Nous n'avons rien à foutre. Ça va être du franc. Ah ouais, ça coûte que dalle à mettre. 640, c'est quoi comme culture issue? J'ai accepté parce que ça fait chier la Grande-Bretagne. Apparemment, la Grande-Bretagne est encore quelque part. C'est la merde. De toute façon, les autres là-bas arrivés sur leur île, ils iront pas plus loin. Donc, je vais aller défoncer les 35 000 là-bas. Le transport, on l'envoie là-bas. M'en fous, avant qu'ils obtiennent quelque chose, les bestiaux. Merde. Autriche action militaire, comment te dire l'Autriche? Ah, le Mandchou, tu vas être gentil, mais tu vas me. Comment dire? Tu vas être gentil, mais tu vas me donner. En fait, il y a deux provinces portugaises qui me cassent les couilles chez moi. Va falloir que je m'occupe d'eux vite fait. Ternate. Voilà. Ternate, ça me parle ça. Le Donde Japon est esta? quasiment complètement défoncé, le Japon, le pauvre. Par qui? Par toi? Par les Mandchous et les Ainu. Et pour une fois, j'ai Tince. rien fait. J'ai rien fait. C'est pas moi! Tu me prends pour un jambon? Non, pour une fois, j'ai vraiment pas foutu la merde. Ouais, là-bas. La France occupe Grand Carou. Crête Carou. Grand Carou, oui, patron. Alors là-dedans, il y avait des Portugais. On va un peu les. Pourquoi je peux pas convertir? Ah merde, il y a du séparatisme. Water Canals. 11 millions. Bon, les corps, ça dit quoi? Loun. La France occupe Cap. Luxembourg qui a popé, soit on s'en bat les webs. Là, t'as mon général qui est en Afrique du Sud, le mec il se téléporte. Brut! Enfin non, il était au... Là-bas, il se téléporte. Les particularistes, ils ont chopé toute l'île, là, mais on va aller les défoncer. Ah là là, vite. C'est quoi ça? On les remet à... Putain, la bataille du Luxembourg est terminée. C'est très bien. Eux, on va les emmener là-bas. Les prochains, ils sont les Flémiches à Anvers, ben voilà. Les prochaines étapes, c'est où? C'est Anvers, on disait. Voilà, au moins j'aime bien quand ça pop, tu sais, ça pop par paquet de 30 000. Moi, j'ai 60 000 hommes qui les attendent. Voilà, C'est c'est pas bien grave. ça. Et tu sais, t'as le temps d'intervenir avant qu'ils prennent la province. Donc tu fais, allez-y, popez les gars, faites-vous plaisir. Et j'ai plus que les Ternatian. À Ternate. Comment c'est que Ternate, ils vont encore s'embêler, lui? Ah oui, parce qu'il n'y a pas bonne religion. Mais bon, c'est bon, j'ai géré mes rébellions. L'Autriche, je vais peut-être me l'achever l'Autriche, moi. Ça mène la remover définitivement, non?
Ouais, bah en fait, il y a des pays comme ça. J'allais m'occuper de l'Espagne, moi, dès que j'ai fini là-bas. J'allais avoir calmé mon overextension. J'allais me faire les espingouins. J'ai une fois tapé de plus sur de l'autrichien. Envie de taper sur l'autriche direct, non. Pas tout de suite, finalement. Ne cède pas à la tentation. Ouais, je vais les mettre sur la gueule de l'Espagne, moi. Je vais me placer, je leur déclare la guerre. J'ai pas dû la culture rutaine, par contre. Oh, pas plus mal. Ah, c'est des montagnes là-bas. Ah, je suis repassé premier en score. Ah, la cour, toujours troisième, je te rassure. La France s'est tassée en fait en point gagné. Oh là là, mais ça y est, les mecs et tout là, bande d'enculés. Ternat, voilà, histoire de les détendre. Putain, j'ai une province qui a été convertie, c'est laquelle? Kiwi. Écoute, tu peux pas tester ma légitimité. Tu les vas. Kiwi. Et se la pète, c'est tellement laid. Avec la carte Kiwi. Payez moitié prix. Mais pas d'où ça vient cette connerie, la carte Kiwi. Payez s'il vous plaît. Bah, c'est la SNCF? La vache. Mais il y a Perpète. Oui. Un post gratos grâce au pape. J'ai tellement bouffé de province, enfin j'ai tellement converti que malgré le moins 5 par an, j'accumule. Oula. Oula. Oui. On voit robot. Non, on voit normal. Bon. Alors les Ternatiennes, bon ils ont un peu envie de surbeller. Les Flemish, ils osent plus. Ils ont se rebelle, on va se faire défoncer, il y a 60 000 hommes qui nous attendent. Ils ont déjà pris assez cher comme ça, je crois. Voilà, ils font... Munich. Oh non, c'est pas... Munich est polonais. Bah, normal. là, je vais me faire une armée... Une armée ici et une armée ici. J'essaie d'aller jusqu'à Vladivostok. Il y a il y a Khorasan qui s'est western sur toi. Bon. Ok. Donc Khorasan, j'ai rien à faire. Honnêtement, je vais te dire. C'est mon allié. Ah, c'est ton allié? Oui. Bah t'as plus de que tu raquettes régulièrement. Non mais face à Delhi, voilà. Bon, moi, Delhi te fait peur? Non mais il ferait ta tampon si je me saouler. Et puis Chamar, bon. T'as toujours pas bouffé ce con? Mais si, là j'ai eu des cas à la guerre, je me prépare là. Mais en fait, franchement, dis-moi, je vais me retrouver en guerre contre Khorasan, mon allié. Oh putain, l'Espagne est en guerre. Il est en guerre contre ses colonies. Ah mais les colonies, voilà, tout le monde... pauvres espagnols. Ah, j'avais déjà 30 000 hommes là. Enfin, 60 000 hommes, oh, pas grave, allez. Ah, j'ai peut-être dépassé mon supply limite, là. Ah non, 367 sur 447, c'est bon, j'ai de la marge. L'Espagne est alliée. Ah bah l'Espagne il a pas d'allié. T'es bête hein. Oh le pauvre, il a pas d'allié. Pour te venir en aide, il va falloir que tu piles tes baskets hein. Ah, attends, Militari, alors je vais rigoler parce que l'Espagne... Alors bon, qui c'est qui a de l'armée? Bon, la Pologne, 585 000 hommes, ensuite la France, 340 000, l'Ottoman, 230 000, Delhi, 168 000, 828 000 kilos, ouais, et l'Espagne, t'es où l'Espagne? Où l'Espagne? Bon bah l'Espagne, on va les classer par pays, histoire de voir. L'Espagne a très exactement 14 000 hommes. Et moi, je me suis fait cher à fabriquer 60 000 hommes pour contrebalancer la puissance espagnole. Comment dire? Ah tiens, j'ai vu qu'ils sont en train de se branler les couilles.
Le Bourgogne, je pense que là, le fort, on va le dégager. Il a un peu plus d'utilité. Le Lyonnais, c'est pareil. Bon, j'ai recruté les troupes. J'en ai recruté 164. Sauvage. T'es sauvage, t'es sauvage. C'est toi qui commence les canal de kill? Ouais. Et on est où le canal de Suez d'ailleurs? J'ai bientôt passé Tech 26 donc ce sera bon. Quoi? Tu nous as racketté nos thunes et tu l'as toujours pas fait, espèce d'enculé! Je suis pas la bonne tech. On peut pas savoir! Est-ce que c'est comme les trous du cul, on en a tous un? Oh le mec et tout, il nous rackette nos thunes il y a 12 ans! La vie de tata. Donc, ah, ça y est, le French Brésil me redonne des thunes. Bien, culé va. Qui a du Liberty Désir? Le canal de kill sera terminé dans même pas 2 mois. Non, mais ça va être 10 ans. Tiens, je repasse en vitesse 3, vu qu'on est calme là pour une fois. Ah bon, vous êtes calme? Bah ouais, on n'est pas en train de faire la guerre. Moi si, mais je m'en fous. Ah, désolé. Ouais, mais moi je suis pas grave. Bon, allez, diplomatie. Je peux aller gérer. Oh, l'enculé! Ce taunt gratuit. Que je ne renierai pas d'ailleurs. Oh, il déclare la guerre à Champ de Mars, le mec et tout, c'est un ouf quoi. J'aime bien le mec qui a besoin des alliés quoi. Mais la vie de tata. Ah oui, mais Champ de Mars, c'était ta pute! C'est Chalimar. Ah, c'est pareil hein. Non, c'est Chabar. Pas, je m'en fous. C'est Chalimar. Et c'est parti, les Bavarois se sont révoltés à. Munich, d'accord. Le canal de kill est terminé. Poup, poup, poup. Alors voyons, j'ai converti Ternat. Ternat, donc, ouais, Ternat n'a plus envie de se rebeller. Ah, attends, t'as le Mexique qui veut traverser mes territoires. Comment dire? On va te faire enculer? Quand même. Qui dort? Retourne en colonie commerciale. Middag. Bataille du ciel. Ah, il avait une armée, l'espagnol. Merde. Désolé. La France occupe la Manche. L'espagnol qui avait une armée. Bien. T'as un dos des marrons. Je suis arrivé, pouf. En fait, je suis arrivé, pan, dans les dents. Il n'avait plus d'armée. Bah ouais. C'est genre le coup du ouf. Désolé, je t'ai marché dessus, quoi. Je savais pas. La même. Désolé, ouais, excuse-moi. Pardon, monsieur. On va voir si on s'en branle. Pourquoi la Rogon ne participe pas aux guerres, cette espèce de sac à merde? Il me kiffe. C'est parce qu'il est en. Annexé. Ah oui, en... ouais, t'as raison, en suitage. Oui, parce que vu qu'il m'aimait pas, je disais, bah tiens, tant qu'à faire. Mais ça veut dire voilà. Quelque chose. Exactement. Putain, bien connu. En général, que les gens. Vous mettez une casse les pieds, vous voulez qu'on décide de faire quelque chose d'utile. La France occupe casse. Ah ouais, en fait, là, l'Espagne, il n'y a plus beaucoup de territoire. J'ai même pas envie de m'emmerder, allez. Bataille de la baie d'Arguin. C'est quoi cette flotte? J'ai 3 navires, tout seul, mais ils font quoi eux? Ah ouais. Niveau 3, colonel range, diplomatique, réputation. Ah, on va prendre ça. Limbourg et Corée, ça c'est très bien. Mais ils y sont, les territoires espagnols? Ah, ils sont là. Ah bah oui, mes armées, au lieu de se branler les couilles. On va aller choper les territoires, tant qu'à faire. Hop. C'est pas possible. Faut que je me refasse une flotte de guerre en... Oh là, l'Espagne me propose déjà la paix. Non, 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 je t'explique, mon gars, t'as pas tout compris. Je n'ai marre, les unités qui fuient à perpète, quoi. C'est chiant. Au bout du continent.
Ah, je sais casser les dents par les pouilleux. Bon, on va l'envoyer une autre armée de 35 000 hommes. J'ai plus qu'Esbi Clunis contre l'Aragon. Egon, petit pas de tacon. Attendez, pourquoi ils sont gardes, les Espagnols, alors qu'on étudie, parce que des fois ça va être rigolo. c'est bien, c'est le comment il s'appelle. Merde, je me suis fait casser ma flotte. En fait, ma flotte de Côte d'Ivoire, je vais la grossir un peu. En fait, non, c'est l'Espagne. Oui, voilà, l'Espagne s'est fait agresser par le Mexique. Par le Mexico. En même temps, faut se méfier des Mexicains. Pas une guerre indépendante par les Mexicains là-bas. Ah, oh, putain. Moi aussi, t'as la Colombie qui a l'air d'être indépendante, je pense. Parce que là, on est libre. Ah, trousse économe terminée. Bon, Lyarkand, est-ce que tu voudrais bien gentiment sortir de la guerre? J'ai plus envie de te marcher sur la gueule sans arrêt, comme ça. Ça fait de la peine. La France occupe Gibraltar, ça c'est de la conquête. Conversion successoule, très bien. Soulou. Comment dire, un fort niveau 6, ça c'est le genre de truc bien casse-couille, on va pas le garder. Middug converti, très bien. Et Lungu. Ouais, très bien ça. Un petit coup de clim, hop, voilà. La France occupe fac. Paye ton nom de merde. T'occupes des facs? Oh là là, c'est une évidence, ça, t'occupes des facs. Mais ouais. Tuez-le. Je préfère occuper les étudiantes, enfin je me comprends. Viens là, l'étudiante, je vais m'occuper de toi. Eh ma jolie étudiante. Je vais finir en prison, moi, avec ces conneries. C'est pas grave. Bah, ouais, tant qu'elle est majeure. C'est trop bon. Ouais, et puis, même si elle est pas majeure, après, c'est dans la tête, l'âge. Oui. Mais monsieur, je suis pas majeur, mais si, monsieur, vous avez 37 ans. Oui, mais dans ma tête, il paraît que j'ai 12 ans d'âge mental, donc je suis pas majeur. Bon, l'Espagne. La province of Loon. Bien. C'est cool ça! J'ai plus d'over-extension, ça veut dire quoi? C'est voir. C'est-à-dire qu'on peut commencer! Ah, et quand est-ce qu'on pourra. Ah, bien, une désinflation. Quand est-ce qu'on peut. Je peux déclarer la guerre aux Hollandais? Oh! Siège de Cadiz, c'est terminé. Le Kazakh! Ah ben, ah la Suisse bientôt. Au revoir le Kazakhstan. Oh non, 2 ans quand même. Oui. J'aime tes armées. Construction amorcée. Ah, de quoi, du canal? Ouais. Ça coûtait une blinde. Ah ben, là en fait, la dernière unité de militaire, j'ai le choix entre les Jäger Infanterie, les Drill Infanterie, les Mixador d'Infanterie et les Napoleonic Square. Comment dire, je suis Napoléon, je suis français, on va peut-être prendre... Quelqu'un un petit peu d'argent. Oh putain, oh. On t'a déjà filé tout le blé pour le canal, faut pas déconner non plus. Non mais là c'est pour ma santé personnelle, tu vois. Ouais, parce que là, allez, je vais ça y est, hein. Sort des... Attends, 2 petites secondes, je suis en train de m'occuper de ma paix. Alors si vous cherchez l'Espagne, bientôt je vous fais le résumé les gars, en fait l'Espagne, pour faire super simple, c'est déjà l'Espagne, genre j'annonce, l'Espagne n'a plus de, est-ce que je peux tout prendre tant qu'à faire? Voilà, ça c'est l'Espagne, alors vous voyez l'Espagne, ben voilà, regardez maintenant l'Espagne, alors l'Espagne n'a plus de colonies. Hein. Je sens que dans quelques tours elle va gicler, dans quelques années elle va gicler l'Espagne. Ouais, bah, oh, t'as vu ce qui reste de l'Espagne? Quatre provinces. Y'a plus de colonies surtout. La mancha. Monsieur. Ah, mon Dieu, la pauvre petite. Pagne. Bah, c'est surtout qu'il avait des colonies. Bah, il a plus de colonies. Il avait pas compris que c'était chez moi toute l'Asie là-bas. Et comme c'est en du fait... catholique déjà.
Le Kazakh, il est mort. Bon, allez, c'est bon là. Ouais, c'est McIntyre, oh là là. Oh là là. Putain, mais c'est quoi cette jeunesse là? Ouais, je vais l'enlever la pause là, j'ai fait le plus lourd. Culture. Ouais. Je domine quand même 13 nœuds commerciaux. On se le fait. C'est quoi ma mission? Dans ma mission, je vais l'abandonner. Réseau est converti, voilà, nous réseau est gentil, hop. Tac tac tac, ouais. Ah oui, ma flotte de Côte d'Ivoire qui s'est encore fait casser le cul, comme d'hab, enfin, manque d'habitude. Escadre bleue. Channel, ouais. Ah putain, c'est où ça? Oh! Manado. C'est où Manado? Ah, Manado. C'est là. C'est où ça, Takora? Je m'en branle! C'est chez mes Gonobé. Je sais pas, merci, je vais même m'occuper d'eux. Hop. Très bien. Les provinces qui manquent du corps. Séville. L'Artois, c'est où ça l'Artois? C'est chez nous. Dans la France. C'est dans les Hauts-de-France. Ah ouais, c'est chez les Bouzeux là. Oh putain, mais paye ton nom de merde quoi. Il y avait le choix entre chez toi. C'est une région de merde. Picardie, Artois, des noms tellement classe. Et non, je me suis dit Hauts-de-France. Faut dire que les choix c'était Hauts-de-France, ouais, Pierre du Nord ou Nord de France. Paye tes choix. Ça les mecs, c'est. T'as le choix, tu veux te tailler les veines ou te jeter par la fenêtre? Bah, je sais pas. Honnêtement, hein. Camarade nordiste, je vous plains, si vous voulez vous faire rattacher à la Belgique. C'est peut-être pire la Belgique, mais honnêtement. Au moins, il s'appelle encore Wallonie, et puis vous appellerez peut-être Artois et Wallonie. Ah, mais putain, les pauvres. Ou Flandre française. Bon, alors l'Espagne, il a pris cher. On va reclaimer un peu. Bon, on n'a pas envie de clémer, quoi. On va clémer pour dire que. Non, pas déclare war. Faut pas se planter, parce que là. Ah non. Ah! À qui? Oh, les Portugais, je leur mettrais bien sur la gueule, les tous. Ah, s'ils pouvaient fermer sa gueule. Portugais. Les Tos, ils ont quoi comme armée? Oh, ils sont, bien, ils sont en train de se faire défoncer. Ils ont qui? Portugais. Ah ouais, j'avais cru lire que l'Alaska était une colonie du Portugal, que le Portugal était une colonie de l'Alaska. Alors, Portugal, il a 18 000 hommes. Comment dire? Ah, ma flotte de Côte d'Ivoire. Ah, ma flotte de Côte d'Ivoire. Si, elle existe encore. J'ai perdu qu'un navire, ça va. Le Portugal, ils sont des provinces qui m'intéressent. Ah si, ils ont toute la partie Australie, toute l'Australie. Ah, ils ont tout ça. Ouais, on va mettre sur la gueule les Portugais. 90 000 hommes pour tuer 17 000 Portugais, ça doit être suffisant, je pense. Ah, ils ont qu'un seul fort. Bon, ça va être rapide. Putain, ma pauvre flotte de commerce qui arrive. Bonjour, les Portugais! Ah, oh, bah, j'existe au plouche.
pas la religion de Francfort. Ah bah y'a plus de flot. Ah merde. Putain, j'ai rasé l'armée portugaise. Zut alors, je l'avais pas vu. J'ai marché dessus. Oh pardon. Oh merde. C'est un manque de respect en fait. Oh là là, les pauvres. Ok, bon, et nous avons eu le superbe ding-ding de fin d'épisode. Donc, hein, pas qu'on s'ennuie, mais on va arrêter là, les gens. Parce que quand même, on est gentil, mais ça nous perdra d'être trop gentil. Merde, faut pas égoïer non plus. Taxtoy. On va laisser. Attends, j'ai juste pour. English Channel. Si j'ai pas donné mon vassal, si forcément. Et je vais augmenter la taille de mes armées. Je fais vite fait mes trucs d'armée et après. T'as quand même été pute d'attaquer les discretos Oldenbourg quand l'empereur voulait pas venir. En même temps, je te comprends, t'avais un peu peur de l'empereur. Hein. Moi, je vois l'empereur, je me chie dessus. Hein. L'empereur, ouais, je suis l'empereur. T'es l'empereur de quoi? Je sais pas, y'a plus personne. Je sais pas, l'empire se barre. On a dismantelé l'empire. Ouais, c'est quoi l'intérêt? Bah, y'en a pas. Encore. D'accord. En fait, le but, l'intérêt de démanteler l'Empire, c'est pour le neutraliser, pour qu'il soit moins puissant. Mais le problème, c'est que pour qu'il soit moins puissant, faut qu'il y ait quand même une notion de puissance relative. Regardez la carte impériale. Pourquoi je peux regarder la carte impériale pour qu'on se marre. Deux petites secondes, là, je suis en train de builder mes armées. C'est joli. Alors attends, je vais regarder ça. L'Empire, de tout nouveau design, de plus en plus fin. Alors deux petites secondes, non, j'arrive, je regardais ça. Armée de Bretagne. Non. Ah. Ok, tu disais l'Empire. Carte impériale, oui. Par carte religieuse, c'est carte impériale. Le pauvre. Bon, faut qu'on se fasse Clève et Clève, faut qu'on se fasse en prochaine victime. Hein, je vais peut-être pouvoir lui je peux lui déclarer la. Ah, Clève n'existe plus. Il est si Clève existe. Il est allié avec qui? Allié avec Francfort, Lorraine et Palatina. Oh, ça peut être beau ça. Ah oui oui. Il y a juste Tabasco et Palatina. On aurait enfin une frontière commune. Ouais, cool. Lorraine, bah, on s'arrête. Ben, tu prends. Tu prends l'évolution du canal en fait. Quand tu cliques sur la province, parce que tu peux le voir autrement. Ah, ça apparaît sur Damietta. Oh, bah, Damietta, t'as une petite. Ouais, grue, dans 8 ans. Dans 8 ans, ça t'amène le 24 décembre 1800. Ouais, c'est ça. Tiens, copain, ça te dit, on se prend le Rhin comme frontière? Bah. Et par contre, pour les Pays-Bas, tu prends également Gaëlle et Friesland. Je veux pas. Ouais, ça marche. En fait, on fait la jonction, c'est-à-dire que je prends Clève. Ah, oui, je prends Meppen éventuellement. Toi, je te laisse Osnabrück et Ostfriesland, tu prends? Ou ouais. Je prends Ostfriesland? À la limite, je le prends, parce que c'est un truc propre. Après, Munster, je prends, voilà, Berg, ouais. Je prends, par contre, Koblenz, tu prends. Et puis au sud, bon, on dit que Pfalz, ouais. Tu prends aussi. Elsa, et toi, je te laisse Heidelberg. Voilà. On se prend le Rhin comme frontière. Oui, voilà, on se prend le Rhin, voilà. Le Rhin comme frontière, sauf au nord pour les Pays-Bas, où on prend, c'est quoi cette rivière là? Je sais pas. Qui est un Munster, Osnabrück et Ostfriesland. On se prend ça. Bon, bah, on se déclare. Alors, on vous annonce, là, on va spoiler, on va déclarer la guerre au prochain épisode. La guerre à Clève au prochain épisode. Ah. Tiens, ils sont en guerre avec les Pays-Bas. Les mecs, ils se font défoncer, ils arrivent encore à se mettre sur la gueule. Ah oui, c'est magnifique, hein. C'est beau. On se fait casser le cul, qu'est-ce qu'on fait? Ah, venez, on va faire la guerre. Ouais, cool. Et les gars, il y a la France, l'Ottoman et le Commonwealth. Non, on fait genre, ils nous ont pas vus. Ah, j'ai pas vu, j'ai des risques de révolte. Ah non, je vais peut-être me calmer un peu avant de... Ah bon. Oui, j'ai 99 de overextension. Ouais, bon, hein, peut-être pas au prochain épisode, à celui d'après. Allez, sur ce, on vous dit bye bye les gens. À la prochaine. À plus. À plus.